Parce qu'ils vont tous dans la même direction. Tout le monde veut faire du dropshipping. Dropshipping, il y en a, ils sont focus sur le trading. Il y en a, ils pensent que le trading, c'est un business. Après, tu vas dire, ouais, mais attends, toi aussi, tu as une boutique e-commerce. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça, justement, que je peux faire ce genre de vidéo et te dire, parce qu'il faut toujours partir de l'objectif. L'objectif que la plupart des gens ont, c'est de vouloir faire entre 6 000 et 10 000 euros par mois le plus rapidement possible, ça veut dire indépendant financièrement le plus rapidement possible, en étant libre géographiquement et en dépensant le moins possible si c'est possible. Et bien, quand tu analyses tous les véhicules qui permettent d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible, c'est simple, il y en a un qui défonce tous les autres véhicules pour cet objectif-là. Et en plus, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont compris l'intérêt d'investir dans les formations. Avant, c'était un peu comme une arnaque. Maintenant, les gens ont compris, OK, ils se forment, ils veulent de la connaissance, mais ils s'aperçoivent que la connaissance n'est pas garantie de résultat. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, le mindset, la discipline, etc. En général, les gens, ils sentent qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Et ce qui est logique, parce que tous les gens qui performent dans toutes les autres disciplines, que ce soit sportif, cinéma, etc., ils ont tous des professeurs ou des coachs. Voilà. Mais c'est seulement quand il faut gagner de l'argent, les gens... Oh, mais non, j'ai pas besoin, tout seul je vais y arriver. Donc l'opportunité pour moi pour 2025 et je pense pendant un bon moment, c'est le business en ligne du coaching. Et non, t'as pas besoin d'apprendre une compétence pour pouvoir te lancer. Et je vais t'expliquer pourquoi et je vais te donner surtout les 6 raisons pourquoi c'est le meilleur business model pour pouvoir devenir indépendant financièrement et libre géographiquement le plus rapidement possible. Et en plus, si tu t'intéresses un petit peu au business, tu as déjà peut-être dû entendre parler de Alex Hormozi, il valide ce que je vais dire. Non, mais voilà, j'ai un backup au cas où, pour les gens, ils font ouais, n'importe quoi, j'ai un backup. De toute façon, avec les 6 raisons que je vais te donner, tu ne pourras pas dire autre chose. Il n'y a pas de débat en fait. Première raison, ça ne demande pas d'investissement de base. Tout ce qu'il te faut, c'est un téléphone. Je pense que jusque-là, on est bon. T'as pas besoin de lancer de pub, tu as juste besoin de charbonner et d'utiliser ton téléphone et de suivre les bonnes stratégies, évidemment. Ça veut dire que certains d'entre vous là qui regardez la vidéo aujourd'hui, si jamais tu as les bonnes stratégies et que tu les appliques, tu pourrais déjà générer du cash aujourd'hui. Et je l'ai vu avec un pote à moi, ça fait un moment que je dis d'appliquer certaines stratégies. Quand je dis un moment, c'est en année. Le jour où il s'est décidé à le faire, ben il a fait d'argent. Bon, il n'a pas fait grand-chose, mais au moins il a fait un petit 120 euros, c'est déjà ça. Juste le jour où il est passé à l'action. Le jour. Téléphone, connaissance, passage à l'action. Boum, l'argent il rentre direct. Deuxièmement, tu peux commencer en étant débutant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il faut partir de sa passion ou de quelque chose que tu aimes, etc. » Ou « Il faut que tu aies déjà une compétence, donc je vais aller apprendre une compétence pour pouvoir après me lancer dans le business du coaching, accompagnement personnel, mentorat, etc. » Alors oui, tu peux faire ça de cette manière, ça c'était avant. Mais grâce à mon expérience dans le SaaS, parce que j'ai lancé mon SaaS, ça m'a donné une autre vision de « Attends, vaut mieux partir directement du client. » Voir exactement qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa douleur, quel est son objectif et trouver la solution pour pouvoir lui livrer l'objectif. Et ça, ça a plus de sens parce que quand tu vas aller apprendre une nouvelle compétence, ok, tu vas apprendre le copywriting. Ok, super. Tu as une compétence, copywriting. Ben maintenant, tu te retrouves sous le marché, tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'offres. Tu ne sais même pas si les clients que tu veux servir ont vraiment un réel besoin de copywriting. Peut-être qu'ils ont besoin d'autre chose. Enfin, c'est vraiment pas la meilleure stratégie de commencer comme ça. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai lancé mon offre sur le saxophone, je pensais que les gens ils voulaient apprendre à improviser, etc. etc. Okay? J'ai demandé à mes clients quand même, enfin mes futurs clients, mes prospects, qu'est-ce qu'ils recherchaient exactement? Eh bien, ils m'ont dit qu'ils voulaient avoir un bon son. Donc, imagine, j'étais allé, même si bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais imaginons que j'étais parti apprendre une compétence sur comment bien improviser. Et j'arrive, je veux vendre ça à mes prospects. Je me dis, c'est du saxophone, c'est la même chose. Bon, voilà, les gars, ils ont besoin de jouer au saxophone. Et j'essaie de leur vendre comment apprendre à improviser, alors que les gars, en fait, ils veulent seulement avoir un bon son. Ben, si jamais tu ne leur sers pas ce qu'ils veulent, eh bien, ils ne vont pas être intéressés. Offre et demande. Donc, même pour les gens qui ont déjà une passion ou une expertise, moi, les gens que j'accompagne, je leur fais passer par ce que j'appelle des interviews où tu vas poser des questions à ton avatar pour savoir exactement c'est quoi le problème et c'est quoi l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ça se trouve, ils ne veulent pas perdre 10 kilos, ils veulent perdre 6 kilos. Donc, quand tu fais le cheminement comme ça où tu pars du client, ça a plus de sens et tu sais exactement quelles compétences tu dois apprendre pour pouvoir servir ce client. Donc, j'aime bien prendre cet exemple avec les dentistes. Imaginons que toi, tu as dit « je veux aider les dentistes ». C'est la niche que tu as choisie. Il y a plein de niches, tu peux choisir différents groupes de personnes. C'est toi, c'est comme tu veux. Tu vas commencer à poser des questions avec les dentistes, tu vas savoir exactement leurs douleurs, leurs objectifs. Imaginons que tu fais des interviews à plusieurs dentistes et ils te disent, voilà, moi, tu t'aperçois que leur désir, c'est de pouvoir avoir 10 à 15 clients. Okay? C'est exactement ce qu'ils veulent, ils ont une forte douleur par rapport à ça, c'est ça qu'ils veulent. Okay? Ben maintenant, tu n'as plus qu'à te demander, ok, comment on fait pour livrer
au dentiste 10 à 15 clients. Et là, tu vas chercher la compétence pour pouvoir livrer ta niche. Et comme tu as fait les choses bien, mais tu as déjà des clients, tu sais exactement ce qu'ils veulent. Donc, quand tu vas arriver et que tu auras appris la compétence, tu vas leur proposer de régler le problème, ben, il n'y a pas de suspense. Comment tu veux ne pas vendre? Tu sais déjà qui sont tes futurs clients, tu as déjà fait des interviews avec eux, tu sais exactement ce qu'ils veulent et tu as la compétence pour pouvoir livrer ce qu'ils veulent. Et après, tu vas me dire, ouais, mais il faut que j'apprenne la compétence, ça peut prendre du temps. Tu apprends la pub Facebook en 3-4 jours, tu achètes une formation, tu apprends la pub Facebook, tu livres les 10 clients au dentiste. Donc, tout est basé sur qu'est-ce que ta niche veut. Et souvent, les compétences pour pouvoir livrer ce que ta niche veut, ça prend pas beaucoup de temps à apprendre. Tu n'as pas besoin d'être un expert en pub Facebook pour pouvoir emmener 10 à 15 clients. Parce que je les vois, les gars, ils apprennent une compétence et puis après, ils arrivent comme ça, ils envoient des messages à tout le monde et mais personne ne les calcule. Ouais, je te propose de faire du copywriting. Enfin, ouais. Les gens, ils veulent un résultat. Et tu sais même pas le résultat qu'ils veulent. Parce que tu ne connais pas ton avatar, tu sais même pas qui tu sers. Troisième raison, c'est que c'est que du profit. C'est que du profit. Quand tu compares aux autres business où c'est des 10 à 20% de profit, c'est quand même différent. Alors, c'est sûr que ça fait bien de dire, ouais, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Finalement, il reste 100 000 ou 200 000. Alors que toi, si jamais tu as fait 300 000 euros de chiffre d'affaires avec ton business de coaching, par exemple, bah, tu as pratiquement 300 000. Ou même si je dis 200 000, ce qu'on va dire, c'est un peu moins de 20K par mois, tu pourras aller faire pratiquement tout seul, même tout seul, tu pourras aller faire tout seul, sans que ça te prenne tant de temps que ça, juste avec ton portable, sans équipe. Donc après, évidemment, si tu veux scaler, il va falloir commencer à prendre une équipe. C'est comme un business normal après. Quatrièmement, tu apportes de la valeur aux gens. Donc du coup, tu te sens utile. C'est quelque chose qui revient souvent quand je discute avec certains d'entre vous qui ont déjà un certain succès, par exemple, dans certains business et qui disent « Ouais, mais là, j'ai vraiment envie de me sentir utile. » Il y a vraiment ce besoin de, quand tu commences à générer du cash, de te sentir utile, d'apporter de la valeur. Donc ça, c'est un point à ne pas négliger. Parce que je peux te dire que c'est super gratifiant quand tu emmènes ton avatar du point A, là où il a une douleur, là où il en a marre d'être dans cette situation-là, au point B, la situation désirée. Si tu vends des vases, c'est pas la même ambiance, quoi, je veux dire. Cinquième raison, et je pense que c'est celle qui est la plus sexy, c'est celle qui t'intéresse, c'est que c'est le business model le plus rapide pour pouvoir être indépendant financièrement et libre géographiquement. Comme je t'ai pris l'exemple avec un ami à moi que j'ai, aujourd'hui, si tu passes à l'action, alors ça, c'est pour ceux qui ont déjà au moins une passion ou une expertise, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, si jamais tu passes déjà à l'action, tu peux générer du cash aujourd'hui. C'est juste qu'il y a le mindset qui te bloque, t'as peur, t'as pas envie d'appeler les gens, t'as pas envie de rentrer en contact avec les gens. Tu veux faire de l'argent. Le jour, il y a un gars, il m'a dit, non, moi, je veux être dans l'ombre. Je veux être le gars qui est riche, mais qui est dans l'ombre. Donc, en fait, tu veux pas parler aux gens. L'argent, ça tombe pas du ciel. Il va falloir que tu parles avec des gens pour qu'ils puissent acheter ton service ou ton produit. Il n'y a pas de secret, voilà, il n'y a pas de magie. Les gens qui... Si tu as de l'argent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'en a donné en échange d'une valeur, que ce soit un produit ou un service. Donc après, si tu es complètement débutant, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça veut dire le temps qui va se rajouter, c'est juste la période d'apprentissage pour pouvoir livrer la promesse. Mais je veux dire, pour chaque problème, il y a une solution. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà trouvé la solution pour livrer la promesse que tu as livré. Tu as juste acheté une formation, lire 2-3 livres. Tu n'as pas besoin d'être un expert le plus puissant. Tu as juste besoin de livrer ce que ton avatar veut. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas plus rapide. Tu ne peux pas faire plus rapide. Sixièmement, et ça, c'est mon avis perso, c'est qu'il y a une opportunité à saisir parce que les gens consomment énormément de formations maintenant aujourd'hui. Ils ont la connaissance, mais ils n'arrivent pas à voir les résultats parce que quand tu n'es pas accompagné, eh ben, tu vas moins vite. Je l'ai vu pour moi. Je te le confesse, même quand tu achètes des formations, ça va moins vite. Tu vas avoir des résultats, mais ça va beaucoup moins vite. Tu perds des années. Et je sais, j'entendais des gars qui le disaient quand je regardais les vidéos avant. Je disais, ouais, mais t'inquiète, moi, je suis en ouf. T'inquiète pas, je suis une machine de guerre. Les gens, ils savent. Si tu n'es pas accompagné, tu n'as pas un coach, tu vas perdre du temps. À chaque fois que j'ai fait des grands bonds dans mes business, c'est quand je me suis fait accompagner. C'est une erreur de ne pas se faire accompagner. C'est juste, ça n'a pas de sens. Quand tu comprends vraiment le truc, tu l'as vraiment internalisé, tu te dis, mais en fait, je suis un ouf en fait. Je suis un ouf. Les périodes même où tu n'es pas accompagné, tu te dis, mais je suis un ouf. En fonction en tout cas des objectifs que tu vas atteindre. Si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats que tu veux avoir, c'est parce que ou il y a un problème de connaissance, et généralement, ce n'est pas vraiment le cas, même si ça peut être, mais c'est surtout un problème de mindset. Et ce n'est pas mindset genre, tu n'as pas la discipline, etc. Moi, je suis un gars discipliné. Moi, je suis un gars déter. Je suis un gars qui lâche rien. Mais les grands bons, je les fais seulement quand j'ai un coach.
Tu penses que Mike Tyson, il n'avait pas la rage? Tu penses qu'il n'était pas déterminé? Il n'aurait jamais réussi sans son coach. Tu penses que Michael Jordan l'aurait réussi sans coach? Tu penses que Warren Buffett l'aurait réussi sans son coach? Enfin, notre problème, et je suis passé aussi par là, c'est qu'on manque d'humilité. Voilà. Et il faut faire attention à ne pas manquer d'humilité. À partir du moment où tu commences à manquer d'humilité, tu vas stagner ou tu vas régresser. Alors, je ne parle même pas de ce quoi. J'ai rien lancé. Ils ont rien lancé, ils n'ont aucun résultat, mais ils veulent t'apprendre la vie, quoi. Ça se saurait, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, ça pour te dire que pour moi, il y a une opportunité de malade parce que les gens, maintenant, ils en ont marre d'avoir juste de la connaissance. Ils veulent des résultats. Et les résultats, tu les as quand tu te fais accompagner. Maintenant, ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit. Je t'ai jamais dit que l'e-commerce s'est éclaté, ça ne fonctionne pas, c'est pas un beau business model. Je t'ai pas dit non plus vendre des formations que c'était pas un beau business model. J'ai pas dit que Amazon c'est pas un beau business model. J'ai pas dit que le SaaS c'est pas un beau business model. Ok, j'ai moi-même une boutique e-commerce, j'ai moi-même un SaaS, j'ai moi-même vendu des formations en ligne, je continue à en vendre. Tous ces business models ont des avantages et des inconvénients. Et l'un des avantages du business model, du coaching, du mentorat, d'accompagnement personnel, c'est qu'il te permet d'être libre géographiquement, indépendant financièrement, rapidement par rapport aux autres business models. Après, il y a aussi des inconvénients. Tu vas être capé à un moment donné, tu ne peux pas revendre. Ce qui est différent, par exemple, pour le SaaS. Moi, si j'ai construit le SaaS, c'est parce que je pense long terme et que je sais que j'aurai un plus gros effet de levier parce que ça se revend plus facilement. Mais parce que moi, j'ai des objectifs différents. Mais pour tous ceux qui veulent faire les 10K, par mois, rapidement, il n'y a pas plus rapide que ce business model-là. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp. Vous voulez gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, mais sans montrer votre visage? Pas de problème. Créer des vidéos autrefois était une tâche longue et difficile. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle de Apollon Vidéo, vous pouvez réaliser des vidéos incroyables en quelques minutes, juste en tapant ce dont vous avez besoin. En d'autres termes, vous pouvez avoir votre propre chaîne YouTube de manière totalement anonyme. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Apollon Vidéo. Ça va vous prendre quelques minutes. Ensuite, tapez une idée, par exemple, comment générer des revenus en ligne, et laissez l'IA à faire le travail pour vous. Et voilà, c'est fait. En quelques clics, vous avez maintenant une vidéo prête à être publiée. Franchement, je vois pas comment ça aurait pu être plus simple que ça. Je vous le dis, Apollon Vidéo va révolutionner la manière dont sont réalisées les vidéos pour les réseaux sociaux. Et c'est votre chance de participer à cette révolution. Cliquez sur le lien quelque part autour de la vidéo pour pouvoir profiter de 7 jours pour pouvoir tester l'application.